Cette vidéo Minecraft sera totalement what the fuck. Effectivement, aujourd'hui, j'ai ajouté des minerais en liquide. Oui, vous avez bien entendu, des minerais en liquide. Vous pouvez simplement avoir des seaux de diamants, d'émeraudes ou encore d'or pour obtenir du stuff cheaté. J'ai aussi ajouté des boss custom qui sont vraiment pas là pour déconner, quoi. Est-ce que je vais réussir à survivre à ces boss? Bah, faut regarder la vidéo. Mettez un like, partagez, abonnez-vous sinon je vous fume. En vrai, pour une fois que j'ai une bonne seed, je spawn à côté d'un village, je suis plutôt heureux. Ok, donc la vidéo d'aujourd'hui est quand même vachement chelou. What the fuck? Oh, il est terrifiant. Oh, m'approche pas, t'es terrifiant. Oh, je te jure, je vous jure, il est terrifiant, mais qu'est-ce qu'il me veut? Ah, je m'en vais. Ok, ok, mais dis pas que tous les villageois sont comme ça, quoi. Oh mon dieu, mais pourquoi ils sont terrifiants? Alors, je sais pas ce que j'ai installé, mais franchement, bah c'est bizarre. Voilà. Mais tous les mobs aussi, là, c'est quoi ce délire? Non, sans déconner, on dirait un film d'horreur. Bon, le temps qui m'agresse pas, ça va, moi, je suis plutôt ok. Dans cette vidéo, j'ai rendu Minecraft bizarre avec des trucs bizarres. Vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, mais c'est vraiment bizarre. Est-ce que le golem est normal? J'en suis sûr, il est pas normal, lui aussi il est chelou. Oh mais pourquoi ils sont tous chelous comme ça? Ça fait vraiment trop flipper. Ça doit être un des trucs que j'ai installé qui fait ça. Mais bon, je sais pas quoi. Ok, ok, c'est pas grave. Même s'ils sont bizarres, on va quand même faire un petit truc cool. Et puis voilà quoi. Bon, pour commencer à me craft les machins, il va me falloir un seau. Parce qu'un seau, ça va être très important là. En plus, grâce au village, j'ai de la bouffe à l'infini et ça, c'est vraiment cool. Oh putain, elle m'a fait peur. Voilà, non mais oh là, à me voir me faire peur là. Eh, le golem chelou, hein, tiens, je peux te péter la gueule comme ça. Oh, non, il est vraiment terrifiant, hein. Je sais pas pourquoi il ressemble à ça, mon Minecraft, mais c'est flippant. Ah, ok. 5 de fer. Putain, il a été sympa, par contre. Paf, paf, paf. J'ai mon seau. Et là, les choses sérieuses peuvent commencer. Alors, je vais dormir ici, comme ça, mon point de spawn est res. Bon, là, vous êtes en train de vous demander, mais à quoi va me servir mon seau? Il va me servir à plein de trucs. Genre, déjà, je vais piquer de l'eau. Merci. Et on va essayer de trouver une grotte. Oh, 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 ok, ça c'est parfait, regardez. Oh oui, en plus il y a du charbon. Ok, nickel. Donc normalement, si je prends du charbon, si je dis pas de conneries maintenant, si je prends ma table de craft et que je fais tac, 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 et que je mets le seau d'eau au milieu, oh, un bucket of coal. Je suis mort, j'ai littéralement un seau de charbon dans les mains. J'ai envie d'en prendre plus. Ok, on va tester. Oh mon dieu, ça fonctionne. Et regardez, quand je mets dedans, ça fait spawn des items. C'est trop bien. Voilà, il y a des items en boucle qui vont spawn. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Calme-toi, le charbon. Donc ça m'a donné de la pierre et des fours. Ok, bah super. Pas très utile, mais je prends quand même. Et donc ça va être ça le principe d'aujourd'hui. Let's go. Hop, je vole de l'eau, je me casse. Alors attendez, il y a un Mesa là. Souvent dans le Mesa, il y a énormément d'or. Il n'y a pas une mini grotte en vite fait là? C'est une grotte ça? Je pense que oui, c'est une grotte. Il y a un zombie dedans, salut mon pote. Et en plus à la fin il y a de l'or, nickel. Bon là j'ai tout ce qu'il me faut. En plus j'ai des hauts fourneaux donc on va les utiliser. Donc non, je peux en faire un seau de fer et un seau d'or là. Je sais pas si ça va être pratique mais ben, on va tester. Ok, la petite pioche en fer a été faite, on peut récupérer l'or. Oh, il y a pile assez d'or en plus, ouah trop bien. Dépêche-toi de cuire là. Un seau de fer, ça fait quoi? Je suis mort, regardez l'image. Je vais aller dedans, vous êtes prêts? Ça fait spawn de l'or, ça fait spawn de émeraudes, ça fait spawn plein de trucs. Oh c'est over, mais c'est over cheaté wesh. Attends. C'est trop cheaté, j'ai déjà 31. D'or. Oh, attendez, je récupère la source. Oh, mais je pensais pas que ça allait être aussi cheaté. Oh, mon dieu, ça va être trop bien. Qu'est-ce que ça va être quand je vais trouver des diamants là? Oh, mais attendez, je viens de réfléchir à un truc. À votre avis, je peux le faire avec l'émeraude? Si oui, bah faut que je retourne en arrière voler de l'émeraude aux villageois là. Eh, hey, salut les mobs. Faites genre que je vous m'avais pas vu. Vous m'avez pas vu, j'ai dit. Si je me suis perdu, j'ai envie de pleurer. Je vous jure, ah non, c'est bon, il est là le village. Ok, on va pas tous les buter parce que j'en ai besoin quand même pour trade. Faudrait juste que j'arrive à trouver un fléchier. Il y a pas de fléchier, il y a que ça là. Ok, non, j'ai cassé. Voilà, j'ai cassé son métier. Tiens, prends ça, mec. Non, non. Prends ça, vas-y, prends ça. Let's go. Ok, nickel. 32 de bâton pour un émeraude, ça c'est plutôt validé par la street. Voilà, j'ai 5 émeraudes, nickel. Ok, tout fonctionne comme sur des roulettes. Et moi j'adore ça les roulettes. Elle est où ma table de craft déjà? Elle est là. Tu me fais flipper, tu me fais flipper, ok? Tu me fais flipper. Je refais un saut, il me faut de l'eau, nickel. Maintenant si je mets 4 émeraudes ici, ça marche pas. Oh, je suis deg. Oh, je pensais que les sauts en émeraude fonctionnaient. Oh, je suis un peu deg. Et ceux en or. Oh, mais ceux en or ne fonctionnent pas non plus. Je suis dégoûté. Je vais aller tester un truc à la con, mais imaginons que ça fonctionne. Ça marche pas, faudrait que je teste avec de la lave aussi. Mais je vais utiliser du lait, peut-être, au cas où, hein, j'en ai aucune idée. Ça fonctionne, mais d'accord, mais c'est imprévisible. Mais pourquoi ça fonctionne avec du lait, what the fuck? Ah non, mais dis pas qu'il me faut de la lave pour certains crafts. Oh, j'aurais la flemme d'aller chercher de la lave. Ok, j'ai un seau d'émeraude. Oh, c'est trop stylé. Oh, ça me donne des livres enchantés et tout. Oh, trop bien. Ok, je veux voir ce que ça me donne. Flame 10. Ok, c'est un petit peu cheaté. Je vais me faire un coffre. Hein. Attendez, c'est-à-dire avec l'or là. Reviens ici, la vache, j'ai besoin de toi. Si je fais de l'or avec du lait, est-ce que ça fonctionne? Si ça fonctionne pas, c'est que ça fonctionne avec de la lave. Mais j'ai la flemme d'aller en chercher de la lave. Ok, ça fonctionne. J'ai un seau d'or. Oh, c'est trop stylé en vrai. Ok, je vais aller au milieu. Ça me drop quoi? Ça me drop du stuff en or. J'en ai un peu rien à foutre. Voilà, je vais vous le dire. J'en ai un peu rien à foutre. C'est le moins stylé de tous. J'ai eu un œuf de villageois. En vrai, le seau en or il pue, mais lui il est cheaté, hein, j'ai juré. Je vais faire spawn un. Oh, j'ai eu un totem! Je vais faire spawn un milliard de trucs, on va voir ce qui va arriver avec. Oh, j'ai eu un petit totem. Et ça, j'ai eu 3 totems. Je vais aller dans les mines et je vais aller chercher du lapis-lazuli, du diamant et toutes ces conneries. J'ai envie de faire tous les sauts possibles et inimaginables.
Par contre, j'aime pas trop le fait qu'il n'y ait pas de lapis, qu'il n'y ait pas de diamant, qu'il n'y ait rien du tout. Oh, la vaillance du diamant, vous avez vu? Je suis un grand malade, ok? Et parce que j'ai un totem, donc je vais le faire. Let's go! Bon, c'était facile en vrai. Dis-moi qu'il y en a 4, s'il te plaît. Il y en a même 6. Il me faudrait du lapis en vrai, hein. Ça serait trop bien le lapis. Je suis sûr, ça me donnera des potions d'XP quand je rentrerai dedans. Ah! Je me fais agresser, je me fais envahir! Oh shit! Il était bien caché lui, je l'avais pas vu. Allez, du lapis. Oh, parfait, attendez. Je vais pouvoir prendre un petit peu de lave au cas où. Si c'est de la lave qu'il me faut, bah il faut du lapis, voilà, parfait. Si c'est de la lave qu'il me faut, bah au cas où j'en aurai. Il y a même de la redstone. Je pense qu'on peut remonter à la surface, hein. Donc, logiquement, on va tester avec les seaux de lave. Si je fais ça avec un diamant... Ok, ça ne marche pas. Ça avec de la redstone... Ça fonctionne pas. Je fais ça avec du lapis. Ça ne fonctionne pas non plus. Donc les seaux de lave servent à rien. Yes. Au cas où je vais les mettre là. Hein. J'ai vraiment pas envie de les perdre. Je vais essayer avec de l'eau, mais je pense pas que ça va fonctionner. Ah si, c'est bon. Je viens de faire un seau en diamant avec de l'eau. Nickel. Ce seau là, c'est la richesse. C'est obligé. Le pose. Let's go. Oh, des bouteilles d'XP. Viennent des diamants. Ok, ça me donne un peu de trucs intéressants. Oh, un livre. Ok, on va ramasser tout ça. Il doit y avoir des trucs de malade dedans. Ok, déjà j'ai eu 8 diamants. J'ai eu des fioles d'XP puissance 5. Mais c'est de la merde. J'ai mieux avec le seau d'émeraude, moi. Est-ce que ça fonctionne un seau de lapis? Je vais faire un saut de tous les minerais en fait. Oh, ça fait une belle couleur en vrai. D'accord, ça me donne des livres et aussi des potions d'XP, mais en très réduit, c'est très nul. Ok, là je peux faire des trucs vachement intéressants. Je vais commencer par buter le zombie qui me suit. Oh, what the fuck? Pourquoi je suis enchanté? C'est quoi ce délire? Me dites pas que rester dans le saut du lapis-lazuli m'enchante. J'ai clairement l'impression que c'est ce que ça fait. Oh, ça m'enchante! C'est trop bien, what the fuck? Bon, on va rester là-dedans quelques minutes, hein. Later. Ok, grâce au saut de lapis, je suis full enchanté. Je sais pas de quoi, mais je suis full enchanté. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ok, il me faut du fer, donc je vais rentrer là-dedans, là. Je vous jure, c'est trop marrant à faire, voilà, je vous le dis, c'est trop marrant. Bon, ce qui est sûr, c'est que je vais pas manquer de fioles d'XP, j'en ai un peu trop même. J'ai 27 diamants, donc je peux enfin me faire mon full stuff diamant. Tout ce qui... Tu veux que je te casse la gueule? Merci, voilà. Hop là, voilà, je suis pas BG comme ça, là. Mais bien sûr que si, je suis BG, je suis le plus BG dans tous les cas. Ok, je vais récupérer ça, et je vais mettre... Et je vais mettre la Bucket of Emerald et on va aller là-dedans pour récupérer 1 milliard de livres cheatés. 4 to 6 days later. Nickel, je suis full stuff protection. Et ben je suis le meilleur. Aïe. Tire-moi dessus, tu me fais 0 dégâts maintenant. Tiens, regarde, je vais même t'éteindre. Trop sympa moi, maintenant je te bute. Voilà. Ok, j'ai ajouté des boss custom. On va aller les faire. Et je pense qu'ils vont être stylés. Mais enfin j'espère, hein. Ok, je viens de trouver une dinguerie. C'est quoi ces trucs? Je peux pas les casser. Qu'est-ce que je dois faire avec? Oh, attendez, je crois que je dois crafter un truc. Oh là là, attendez. Normalement, si je dis pas de conneries, je dois crafter un truc comme ça. Ok, ouais, c'est bon. Nickel. J'ai crafté le summoning crystal. Et normalement, si je le balance... Oh shit! Il y a deux dragons là. Oh! Ok, ok. Alors attendez là. Oh shit, c'est quoi ces mobs? Ils sont trop puissants, what the fuck? Oh mon dieu, mais c'est abusé, ils sont trop forts, what the fuck? Ha ha ha, attendez, on va peut-être reculer un coup là. C'est quoi ces mobs? Je vais mourir, j'ai pas de Feather Felling par contre. Ok, c'est donc ça les boss custom, et eh ben ils déconnent pas les deux dragons là. Je vais die, il me reste 2 points de vie. Je me fais péter la gueule violemment. Aïe. En vrai, j'en ai sûr que je peux les tuer, mais vas-y, ça va être dur. Mon dieu, les explosions qu'ils font. Ok, il leur reste 3 barres de vie. C'est possible, en vrai c'est possible à faire. Oh, je vais mourir encore là. Ok, non, c'est bon. Heureusement que j'ai des totems, hein. Ok, un petit repli stratégique là s'annonce. Oh, mais ils me suivent. Oh, alors viens ici toi. Oh, j'en ai buté un. Ok, il y en a un en moins. Il en reste plus qu'un. Allez, viens. Oh, what the fuck. Ok, attendez, on regarde ça après. Meurs, s'il te plaît. Il est intuable. Je lui ai mis plus de coups que l'autre et il meurt pas, hein. Oh putain, enfin, mon dieu. Waouh, c'était compliqué, hein. J'ai eu une épée magma sword. Et là, c'est quoi le truc? Bone sword. Ok, d'accord, j'ai eu 2 épées. Eh, c'était super long et super intense, c'était chiant. Allez, on va en faire un deuxième pour finir. Ok, j'ai le cristal. Ok, mon pote, j'espère que t'es plus faible que l'autre. Oh, c'est quoi ce truc? Oh non, il vole. Non, mais par contre, vole pas. Oh là là. Ok, c'est bon, je me casse, t'as gagné. Mais il me suit. C'est bon, je fuis, t'as gagné, t'es le meilleur. Me suis pas. Oh mon dieu, il est trop fort. Il est trop fort pour moi. Je veux pas me battre, je te jure, je veux pas me battre, mec. Je rigolais. Il veut pas me lâcher, c'est abusé. Pourquoi tu me suis autant? Il me suit trop. Mais wesh, lâche-moi. C'est mon dernier totem, hein, je crois. Oh là là, il est trop cheaté. Pourquoi il n'y a pas une grotte quand il faut une grotte? Il me reste un cœur. C'est la fin. Hop là, je cheat. Bon, bah c'était une bonne vidéo, au revoir.